إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. On commence avec une anecdote. Frère Kamadja lui dit, si mon camarade là, arrivé, il est bien malade, il est malade pour hôtel. Après ça, il y a une famille qui finit même malade, pareil comme mon camarade. Mais souvent, mon famille, mon collègue, il finit avec un tel docteur, de l'hôtel médecine, il est bien, pour bien méchant là. Si arrivé, sa camarade là, mon père récite à lui, vous parlez aussi comment dire canalisé vers sa docteur là, vers sa médecine là. Arrivé, sa bon camarade qui est non musulman là, les filmaux, ça veut dire à l'intérieur de moi, mon koena, ce qu'ils nous appellent un regret. Mon koena, ce qu'ils nous appellent un remords. Et qui chose plus important qui l'amour qui me disposait à dire à sa camarade là, ce qui me disposait à présenter l'islam. Et dans notre réalité musulmane, qu'il y soit un collègue de travail, toujours une cause concernant un non-musulman, qu'il y soit un voisin, faites-moi dire ce camarade-là, il dit bien qu'on regarde avec vous, nous causons tout avec lui, nous bâtissons avec lui, nous faisons une cause politique, nous causons football, ça quand même mange la tête de notre camarade quand l'équipe est perdue. Mais seulement, comment le dire, quelque chose de plus important, c'est l'islam, jamais, comment le dire, pendant un avis, net, nous n'avons pas camarade avec lui. Mais seulement, ma religion me fait honte pour présenter à propos de l'islam. Donc, ça mène une question, hein, c'est numéro 1. Qui veut dire Dawa? Moi-même, savant, je vais définir Dawa. Ça, Dawa, là, est-ce qu'il est obligatoire, ça? Deuxième question. Troisième, c'est qui sur l'importance qu'il y en a dans l'islam? Qui sont les vertus, c'est donc à ça quelques minutes là, c'est ça même quelque chose là qui nous parle étudier. Donc, Dawa, dans le langage arabe, il veut dire l'appel, il veut dire invitation. Pareil, souvent, ça même, ça mot Dawa là, il n'a rien d'un mot creole. Il dit, mon gars, Dawa là. Ça même ça. C'est Dawa, ce mot arabe. Il dit aussi ce mot arabe là. Ça veut dire, mon gars, une invitation. Donc, Dawa, il veut dire aussi appel, il veut dire demande. Il veut dire aussi supplication. Maintenant, comment ben savant dans la terminologie islamique, comment ben savant je finis définir ce mot dawa, c'est-à-dire quand je peux faire dawa avec qui soit un musulman pour lui reconvertir, pour lui faire namaz, ou bien envers un non-musulman, ça veut dire pour lui accepter l'islam. Donc, il y a une parole qui m'est terminée, il dit dawa tu ilallah. دعوة انفتاشون ان جمون بها الله سبحانه وتعالى هي الدعوة إلى الإيمان به وبما جاءت به رسله بتصديقهم فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا. Donc l'idée c'est nous invite un jimoun pour lui amener l'Iman. C'est un peu le bon terme qu'on lui dit pour lui convertir à l'Islam. Et pour nous inviter aussi vers sa message qui va être prophète finalement. Et pour lui amener une croyance là-dedans, ça va être un message qui ressource à Allah et ben les prophètes de fin amener, pour lui obéir à eux, pour lui croire là-dedans et pour lui faire action dans ce qu'il finit faire. Ça veut dire surtout ce qui contient sa dé shahada. Wa ikram salat wa ita zakat wa saum ramadan wa hajj al bayt. Et aussi nous pouvons inviter quand il finit accepter ça là-dedans
pour faire namaz, pour garder rosa, pour donner zakat, pour faire hajj. والدعوة إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر بالقضاء والقدر. Déjà aussi, c'est une invite à dire non pas mais l'Iman, le Allah, le Saint Prophète, le Ben Ange, le Saint Ben Livre, le jour du jugement dernier et le Iman dans le Qadar et Qadar. والدعوة أن يعبد العبد ربه كأنه يرى. Et jusqu'à qu'il arrive à un certain niveau que l'il peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si il fait tout. Maintenant, tout ben savant, vous êtes d'accord qui dawa l'obligatoire. Tout ben savant est un consensus. Tout ben savant, vous êtes d'accord qui dawa l'obligatoire. Mais c'est moi, laquelle obligation hein? Est-ce qu'il faut d'orain? Ça veut dire, nous dire une obligation individuelle ou bien l'obligation. Obligation, c'est-à-dire si une partie du monde fait ni, les autres pas nécessaires font ni. Donc, dans n'importe quelle société qui est qui peut rouler, normalement, si il y a un groupe ben du monde qui je désire peut faire d'avoir, c'est-à-dire obligatoirement les enlever de la communauté. Si arrive pas une personne peut faire ni, ça veut dire qu'arrive communauté de gagner péché. Ça, premier partie. Deuxième partie, c'est-à-dire, donc, le sacrifice, on a divergence, l'opinion, pour moi, ben, ça va. Mais c'est moi, nous, il y a un cas spécifique, que ça doit avoir là, l'ivine fardouaïne. Ça veut dire, qui veut dire les fardouaïne, là, l'ivine, on va dire, personal obligation, l'ivine obligatoire, le droit individuel. L'exemple, numéro un, que ça, l'ivine, à la tramanche de Coran, ou à la tramanche de Coran, ou à la tramanche de Coran, il y a de khair, à la tramanche de Coran, qui, parmi eux, un groupe du monde qui veut faire, je invite vers le bien. Et Rasoul, Allah Ta'ala mentionne encore, Kuntu khayra ummatin ukhrijat linnas. Je suis le meilleur peuple qui est Allah Subhanahu wa Ta'ala, meilleur ummat. Qui est Allah Subhanahu wa Ta'ala, fin choisirait dans tout ben ummat. Donc, ummat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, c'est ummat universel. Tout ben prophète qui fin vini, je suis ummat, l'iti, comment dire, dans la région géographique et aïe à cause de Tidi. Excepté Oumad Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, quelque chose qui fait nous, qui caractéristique qui nous est qui distingue nous avec ça, ben les autres Oumad. Peut-être quelque chose qui est spécial. Par exemple, un Djimouni fait un premier dans n'importe quelle compétition qui est là. C'est-à-dire, définitivement, dans sa compétition là, c'est lui, ce effort qu'il fait est là, son output qui est là, son fruit qu'il fait produire, c'est qu'il fait dépasse de tout. À partir de là, il est sorti premier. Donc, ça, on m'attend quelque chose qui nous est à nous à faire. Qui vient faire nous sortir premier, comparé avec tout le monde, et ça même à la subhanahu wa ta'ala qui nous choisit nous. Alors, quand on continue, quand Allah Ta'ala dit qu'on a un mot, on a un mot, on a un mot, on a un mot. Vous êtes une communauté qui vous ordonne le bien. Et vous êtes une communauté qui vous empêche le mal. Et plus grand le bien qu'il nous capable de faire, c'est nous inviter un démon vers din Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons beaucoup d'un ayat Quran qui cause concernant ça qui chose. Maintenant, Allah Ta'ala nous plaît de l'autre individuel à cette Quran. Ça veut dire que c'est comme Dieu faire l'ouïe. Tant qu'Allah Ta'ala dit, « Ya ayyuhal ladhina amanu, ô ben kina iman, qu'u anfusakum wa ahlikum nara. » Ô ben kina iman, protège je même, et pas en jeu. Exode famille depuis du fait l'enfer. Ça veut dire, fait que madame ou diamant papa de la case, il a mon responsabilité qui m'a fait, mon madame, mon bel enfant, pour éduquer, digne, pour faire dawa, etc. avec Zod. Nous avons un hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyatihi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je dis, tout ce qu'on m'a dit, un berger. Un berger qui veut dire, il y a une responsabilité, un troupeau net en Bali. Ça veut dire que demain, si arrivé qu'on a un mouton, une mou, un loup, une dévot, un mouton, les coups bizarres accountent et veulent vers se mettre. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Al-imam ra'in, wa kullukum mas'oulun an ra'iyatihi, un chef d'état, n'importe qui chef qui était, lui, il paraît comme un NBG. Elle est responsable tout le monde qui en Bali. Pareil, un rajulu rorin fi ahli baytihi. Un monsieur, lui, un responsable dans ce lacard. C'est-à-dire tout ce qui en Bali. Ce madame, ce mes enfants, etc. Tout ce qui est dans l'autorité. Wal mar'atu rariyatun fi bayti zawjiha. Même un madame, lui, il paraît comme un NBG dans
la carte sur Michel. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité, et même il y a une responsabilité sur les enfants. Même madame là, concernant son Michel, il y a une certaine responsabilité. Donc tout ça là, c'est ben obligatoire et individuel. Maintenant, qui sent l'importance d'Awa là? Numéro 1, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, numéro 1, Allah ta'ala fait envoyer 124 000 prophètes dans différentes époques, dans différents endroits, pour expliquer du monde digne, pour faire dawa. Le monde comprend une affaire à ce terme. Si pena dawa qui arrive, si pena dawa qui arrive, le monde du monde qui peut donc plus bas qu'ils arrivent. Par exemple, la moralité qui peut aller, aujourd'hui, moralité peut diminuer, éthique pour aller net, valeur humaine pour aller net, bonne manière pour aller net. Pas monter dans l'école, ça m'a fait là. L'école, il faut nous dire académique, comment dire, pour gagner un certain certificat. Donc, à la traduction, tout m'a redonné un asphalte à sa fille. Ensuite, nous finissons descendre plus bas qui bas. Donc, faire d'avoir, c'est un de mes plus grandes actions qui un insan est capable de faire. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, j'ai un hadith. L'Ibekoz avec un Ali, radiallahu anhu, il dit oh Ali, si arrivé, tu finirais ici, dit un seul du monde. Pas d'aller deux, pas d'aller trois, pas d'aller un. Il dit les meilleurs qui. Ça devient là avec tout ça qui est dans là-dedans. Et dans les autres prévoyants, ils mentionnent qui, on va dire, un troupeau de sabots, ils mentionnent comme semaine de sabots rouges. Ça veut dire, même sabots prisiers qui tiennent dans l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala mentionne parmi les fonctions principales de tout ben Anbiya, quand Allah Ta'ala fait envoyer de la terre. Allah Ta'ala dit, Ya Ayyuhan Nabiyyu, ô toi, ô messager, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Nous faisons envoyer toi comme un témoin, comme un annonciateur des bonnes nouvelles. Ça veut dire si un djimoun lui fait bon, il peut gagner le paradis. Nadira aussi comme un avertisseur. Si un djimoun lui fait mauvais, il peut gagner l'enfer. Wadarian ilallah, nous venons envoyer toi en tant qu'un délégué, qu'un émissaire, un ambassadeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, un dari, un ticket pour passer message à Allah subhanahu wa ta'ala. Bi idnihi wa sirajan munira. Et nous venons envoyer toi ici comme une lampe brillante. وكان يقول حديث أبو الرسول صلى الله عليه وسلم يجيء من دعا إلى الهدى كان له مثل أجر الرسول صلى الله عليه وسلم ما سلوك في نبي أن كان في أن لبيا في أن جدانس لبعض من قامس تثواب قامس فك ما جمعنا عربي من في بس أن جمعنا الإسلام عربي سان جمعنا في نقبل الإسلام تو سكيس سان جمعنا في تسكالي مو مغزى ثواب ليسي جمعنا في نقبل الإسلام لي كان يبغى يسوي شو أكشن تو أكشن كي يبغى يسوي لي جانس ثواب plus de là, sa maman bonisse. Ça veut dire tout ce qu'il fait pendant un an, ça veut dire que qualité, récompense. Je pense que c'est 5 ans à mars, tu as gagné. 10 000 à faire, tu as gagné. 10 000 à faire, tu as gagné. 10 000 à faire, tu as gagné. Les modèles m'ont dit, tu as gagné, tu es ici. Ziste pour qu'il y ait, ziste au final, tu es à l'islam. Ça veut dire, c'est une action qui va dire, nous trouvons beaucoup de belles filles qui t'es aujourd'hui. Maintenant, nous prenons notre hadith encore. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, حديث رابطة بخاري مثل القائم في حدود الله والواقع فيها رسول صلى الله عليه وسلم يجي لكزام ان جمون كي بي أبزير سعجا بان لمي الله سبحانه وتعالى سعجا كي بي فعلي لي بي تو بان لود كي الله سبحانه وتعالى لي فين دوني لي بي أبزير سا وان جا على لد لي باري كومان لي جي ان جروب جمون جو في ران دا ان باتو باتو لا ان ان لتاز ان فرتي راز وصو وستي ان باوتي جمون ران دا باتو لا en bas, manger de la canne, une partie finiront de battre là, là-haut. Maintenant, ça vient du monde qui est en bas là, ça prend un peu bizarre, monte là-haut, pour demander ben, ce qui est là-haut, dès le. Finalement, qui je dis? Je dis comme ça, qui, ben, ça prend un peu bizarre, monte là-haut, demande banane, dès le, nous pouvons amener banane, nous amener un trou de battre là, un trou de battre là, comme ça, nous pas besoin, ça prend des banane, dès le. رسول صلى الله عليه وسلم لجيء فأيت ركوه وما أرادوا هلكوا جميعا رسول صلى الله عليه وسلم ما سيعني سعوب لا أولى للس من سكي أنبلا فير سكي جد أنبي تودي تريا جد تمو جد تجد نامي هذا باري زود زود دان فاسون سيبقى جد بيسون دي باكون سعر سون سابيديتي لا سكان دي باكون مولي مو باتو موا دي مو نكون قاعد فير Dawa n'est pas responsabilité imam, n'est pas responsabilité zizdari, n'est pas responsabilité zizdmoufti. Ça tient comme mesure. Numéro 1, nous dire, chaque fois que je travaille dans la caserne du monde, dans mon travail, chaque fois que j'ai la même qualité du monde. Mais ça vient du monde qui, toi, tu es un imam, pas un tous les jours. Maintenant, ça tient comme mesure, vu que je suis un musulman, je suis un ambassadeur pour Allah,
Je t'emmène délégué pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je t'emmène représentant de l'islam. Qui veut dire ça? Ça veut dire que ça dit mouna, juste fin côtoie je. Quand il fait une cause avec Dieu. Pour ça dit mouna, dans ce la tête là, quand il peut dire l'islam, quand il t'en dit qui veut dire un musulman, l'exemple là pour lui qui s'en a, c'est toi. Ça veut dire toute belle action, toute belle bonne manière. De ben amanat qui tu es là, dis-moi l'hypothèse, ça comme l'islam là, parce que c'est ça, ça contact qui l'a fait gagner. Ça même, si vous m'avez dit, tu es un coquin, tu fais tes affaires avec lui. Ça veut dire finalement que vous avez dit, je suis un musulman, 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 ce travail, ça la lutte. Kalima la ilaha illallah. Les bizans continuent. N'importe qui arrive, ça veut dire sa responsabilité, il vient prendre une responsabilité collective, il vient le jeu de tout, nous épaules. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'ili al muslimina min kulli dhanb. Fastaghfiruhu innahu huwa al ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Maintenant, quand nous get comment ben nous gagne dans din ben groupe ben secte, c'est quand on est dans la loi. Quand on est jahil, quand on est ignorant. Finalement, quand arrivé, tout ce qui vient présenter l'islam cause din avec nous cause même musulman. Ça veut dire qu'il arrive, il pratique. Parce qu'il fait, il pas gagner. Parce qu'il est jahil. Parce qu'il n'est pas fin trop pour lui important pour apprendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, nous voyons le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, avant les mots, nous avons une série de recommandations qui, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, les fin faire, les fin présent à l'humain. Parmi les recommandations que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est-à-dire qu'il fait ça, il dit, et il dit, ben qui après transmet sa belle message à nous. Il dit, ben l'irou rani walau aya. Transmet depuis moi, depuis le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand même, un seul verset. Ça va suivre. Nous posons nous-mêmes une question. Est-ce qu'il me fait déjà pratique sa hadith au moins une fois dans mon ami? Est-ce qu'il me fait déjà transmettre un verset depuis Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai. Quand je dis, je ne sais pas qui est avec moi pour dire, mais nous disons, qu'il faut Allah ou Ahad, dire Allah est unique, Allah est samad, Allah est absolu, Allah est éternel, l'ami yalid ou l'ami ouled, jamais il prend naissance, jamais il finit de naissance. Ou l'ami yakoula ou koufouan Ahad, et personne ne paye à l'ami. Et moi, je comprends l'affaire. Dans l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y a un sahaba, dans sa vie. Les fins fiers d'Allah jusqu'à l'immobilier, juste avec 10 ayats pour ensemble. N'ingatit sahaba, c'est. Les pommes meilleures d'Allah ou maintenant. Les pannes à prendre pour un bel appareil, les pannes à faire pour un, les pannes très bien à faire. Les pannes très belles les titres avec 360. Mais c'est moi 10 ayats pour un, il n'a pas ni bien. Après ça, quand les fins fiers, les types fiers d'Allah jusqu'à avec 100 000, jusqu'à l'immobilier. Et les gars, j'en ai d'accord, ça, les gars, ça, c'est ce qu'ils appellent sahaba. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Nous vous trouvons qui, dans ce dépôt castel, les fins fiers, tout bel sahaba sorti. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin avait les finavait sahaba Dihiya ibn Kalbi, les finavait les vers Rome, les finavait les pour inviter César, qui dans l'époque c'était Héraclius, pour présenter les messages de l'islam. Les fin envoie l'autre sahaba vers Kisra, ça veut dire les rois Perses, pour présenter l'islam. Les fin invite Moukoukris, les rois d'Égypte, qui tenait à l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les fin invite vers l'islam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les fin invite Najashi. Il finit avec tout ça là vers l'islam, il finit d'espace ben sahaba. Et il faut nous comprendre ça, merci. Et il y a ben sahaba, quand je finis sorti, je finis aller, il n'a pas retourné. C'est-à-dire,
Banette qui joue au milieu de chemin. À cause, hein, mais c'est ce que je termine là. Maintenant, nous, quelque chose qui est nous responsable. Il faut nous comprendre à faire. Beaucoup de monde est réel qu'il y fait. Il pense que nous avons besoin de convertir ça du monde là. Dis-nous, amis, de te convertir du monde. Qui m'a besoin de faire? Mon responsabilité qui est là. Mon responsabilité, c'est pas ce message de l'islam. C'est un tout avec l'aime. Nous prenons un courant. Allah Ta'ala dit, Fadakir, Antamudakir. Faire rappel de la sainte travail, toi, tu dois le travail, finis l'aime. Allah Ta'ala dit encore, Laïsam alayka hudahum, guidance partout de toi l'armée. Walakin Allah yahdi man yasha. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala, li bougit à celui qui t'a envie. Deux ispars, mais ça reste toi. Le taïat Quran encore, Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Allah Ta'ala dit avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. T'as mis avec ça, il dit ça. Avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit comme, tu n'es pas pour capable, guide celui qui t'a envie. Mais seulement Allah li guide celui qui t'a envie. Ça veut dire que nous travaillons tous les temps qui étaient liés avec la même. C'est nous passe message. Qui s'en a qui a là pour guider, qui s'en a là pour guider, nous ne pouvons pas faire plus que ça. C'est nous faire nos efforts, ce qui Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous. Et pour inviter du monde, c'est même la meilleure parole qu'il nous est capable de dire. Pour mieux la meilleure parole. Allah Ta'ala dit comme dans le Coran, wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah. Qui plie bon parole qui est là, qui c'est lui qui les fin invite vers Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite lui-même les fin faire une bonne action. Ça veut dire que ça dit là que même que fin pratique. C'est la meilleure parole qui est capable de dire. Nous avons d'avoir à se dans la vie Rasul sallallahu alayhi wa sallam et dans la vie de Sahaba. Nous avons quelques bien extraits. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Taif. Nous tous connaissons qui ça, il y a la présence de l'islam. Là-bas, il y a un bâti. Il tombe sans connaissance. À tel point que quand on dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est bougé avec sa bâti qui lui finit. Il y a un bâti qui est gros, nous fait que c'est là. Sur les gros, plein d'audition. Il rate la mot là. Quand Allah subhanahu wa ta'ala lui fin envoie Jibril alayhi salam avec 11 dans Taïf qui gardent la montagne. Ben, il y a Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui te voulait nous faire avec nous. Ça, il y a une façon comme on dit, si Rasul sallam était crasé, on s'en dit comme ça, ben, tiens, sa tribu là, l'issue en Inde, vallée, dégoté et dans la montagne. On s'en dit, il m'a fait des montagnes en Inde, c'est-à-dire, il crase tout ce qui est là. Non, il passe à faire. Rasul sallam, non. Inch'Allah, c'est ça l'objectif d'avoir que Rasul sallam tienne là. Il dit, Inch'Allah, peut-être, d'autres générations, pas que c'était l'islam. Dans la vie, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, des ans avant Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fait wafat, maintenant, je dois accepter l'islam. T'arrives d'être accepté l'islam. Nous bougons, ben juif, je fais tuer 70 prophètes dans Masjid al-Aqsa, exo alentour. Ça veut dire que ces mêmes prophètes-là, ils vont nous comprendre une affaire. Ah, je t'ai accepté pour payer prix, je t'ai la vie, à cause qu'il y a la ilaha illallah. Ça veut dire, Dawala, Messaza, même si le prophète là, il brille, il accepte lui. Messaza, il a continué à passer, il a continué à descendre dans le effectivement, c'est même qui finit arrivé. Donc, par exemple, même Yahya, alayhi salam, il a fini de lui dans ma zizia d'Aqsa. Même un chrétien, je tenais ça dans la Bible. Nous prenons le texte qui est là. Maintenant, nous prenons Zouki Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, il y a un wahi. Zouki Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a un wahi. Ça veut dire là, valeur actuelle dans un seul commandement. Qu'est-ce que c'est? C'est la ilaha illallah. Pena namaz, pena rosa, pena zakat, pena hajj. Zodin, il y a Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a un wahi. Soit demain, soit après demain, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu connais. Abou Bakr al-Siddiq radhiyallahu anhu, qui c'était lui? Le premier du monde qui fin accepter l'islam, parmi Ben Miché. Qui lui fin faire? Est-ce que Abou Bakr al-Siddiq radhiyallahu anhu, ça veut dire qu'on accepte l'islam, ça veut dire qu'il croit, il casse un pot, non. Dans sa même semaine, dans sa bien stéréotype. Dans sa même semaine là, Abou Bakr al-Siddiq a fait d'avoir, il est sorti à l'air. Il n'y a pas qu'un nom, il a dit, il connaît ce qui était là, la ilaha illallah. Il a dit, c'est bon Dieu, c'est un commandement, il n'y a pas encore aucun commandement. Il n'y a pas encore bien, même religion qui est là, mais c'est moi qui connais ce premier commandement là. Le temps qu'il fait d'avoir, nous avons Othman ibn Raffan, accepté l'islam, Talha ibn Ubaidillah, Zubair ibn Rawam, Saad ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Rauf, Nuna Abu Ubaida ibn Jarrah. Ça va être nous qui nous filmons sur l'Ina, 6 d'Arasharam ou Bachirina Biljana. En vaccin, sur la maison d'accepter l'islam. En vaccin, c'est dit que le Lohan, parce qu'il va nous tranquille, il va nous sur la case, il va nous casse-pose. Et ça maintenant, qui sont venus pas devant, on va dans le Lohan. C'est 3e Khulafa Rashidim. Nous gagnons Saad ibn Abi Waqqas. Il vient pas devant, lui-même, général l'homme qui, quand les musulmans qui allaient taper la Perse, démonter les. C'est-à-dire que ce qu'on dit, Perse jamais fini de relever encore. Fini sa dynastie, c'est musulman. Comme on l'a nommé, lui-même ça. Barakat,
qui finit dans l'armée Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Nous avons Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Ami, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Aminu harihil umma. Ça veut dire maintenant une grande personnalité extraordinaire par les vents. Quel barakat qu'Allah subhanahu wa ta'ala filmé. Nous avons un sahaba qui s'appelle Abu Dhar al-Rifari. Ce sahaba-là, il a dit qu'il était un bandit. Il a dit qu'il était un bandit. Il a dit qu'il Mais c'est moi, ça même, ça a appris quand il vient accepter l'islam, qu'il vient faire, il vient faire là. Il va avec la même ici. Il vient inviter ce tribu, avec tribu avoisinant, vers l'islam. Il vient parmi les meilleurs sahaba qui est là. Ça a des tribus qui ont accepté l'islam, il y a une tribu, Aslam avec Rifar. Ça veut dire, et ça même tribu là, qui spécialité je dis là, et là, les autres tribus qui ne voudront pas devant contre l'Ossoza, ils viennent la guerre avec ceux qui ont accepté l'islam. Ça maintenant, je viens accepter l'islam, qu'on a déjà pas quitté, pas aussi, d'Ava. Pas un seul du monde, ça veut dire que nous avons besoin de comprendre, pas dire comme ça, mais moi, un seul du monde qui m'a beaucoup à faire. Tu ne sais pas qui qualité, barakat, Allah subhanahu wa ta'ala, est capable de mettre en bas de la rue. Nous avons Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair, Tianzan, lui-même, premier ambassadeur, premier délégué de l'islam, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comme un premier du monde dans Madina, il a fini, il a dit, après un du monde pour nous être capable, pratique l'islam, ça détient un petit groupe du monde qui finit à accepter l'islam. Quand il y a le Madina, comprends la question, ça s'en rappelle avec ce travail qu'il vient faire, nous dire majorité ben Sahaba qui convertit dans Madina en bas l'armée Mus'ab ibn Umair. Je vais dire l'Orban. Et même les temps nous guettent aujourd'hui à ce terme, c'est qui nous trouve qui nous a beaucoup ben du monde qui Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre barakat d'Awa en bas de la main. Par exemple, nous gagnons, par exemple, Zakir Naïk. Par exemple, nous avons encore nous avons un chèque dans Kuwait que pour millions de monde finissent accepter l'islam en bas de la main. Ça veut dire que tout cela nous montre une seule affaire. C'est qui Allah subhanahu wa ta'ala qui choisit ce bain du monde et met barakat en bas. Mais c'est maintenant nous faisons une seule affaire, nous faisons un zéro avec sincérité. Après, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre barakat. Conclusion à ce terme. Toutes les générations qui viennent avant nous, vous êtes plantés pour les générations après récolter. Ça veut dire que ça n'a pas fini planté, ben t'as béré fini récolté. Les ben t'as béré, je t'as terre, je tout, je planté. Pour qui ben t'as béré, il récolte. Ça veut dire que ça fait aller comme ça même génération après génération après génération, il pourra aller même jusqu'à Priyama. Ça veut dire quand pour ne plus une dawa. Quand pour ne plus en a kalima la ilaha illallah pour passer de la terre à Allah subhanahu wa ta'ala, la même pour la prière, quand d'Awa pas arrêté. Ça veut dire, chacun parmi nous, l'île nous responsabilité. Ça veut dire, si du moment qu'il nous peut dire kalima la ilaha illallah, pas pour la prière. Du moment, parce que la prière n'a pas une condition pour l'évini. Ça veut dire, un parmi nous, il y a une condition. Ça faudrait qu'il n'y ait pas un dimon de la terre qui peut dire la ilaha illallah. Sur condition ça. Faudrait qu'il n'y ait pas un dimon de la terre qui peut prononcer le mot Allah. Ça veut dire que tant que je suis bien, je suis bien enfant, je suis enseigné ça, les autres, ça veut dire que je suis bien rassuré. Ça veut dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui qui est arrivé là, sa responsabilité là, il vient l'ONU pour nous proposer ça. Comme ça, ça va une génération qui vient venir là, je suis capable de récolter. Et un autre gain qui est c'est que, imaginez, demain, nous pouvons dans nos cabales. Dans nos cabales, qui nous pourrait récolter pareil, c'est qui nous plante de la terre. C'est-à-dire, celui qui fait une plante bon quelque chose, qui vous récolter de son cabas, il vous récolter bon. Guet, par exemple, ça mène Sahaba là, ça mène, qu'on dit, ben, grand point la lutte qui se finit à mener pour qu'il va dire nous vivons musulmans aujourd'hui là. C'est-à-dire, nous, l'islam là, ben, on a fait gagner de ce cabas de la zone. C'est-à-dire, nous, c'est pareil, aujourd'hui, c'est nous tous, nos rôles qui nous avons besoin de la société. Et nous pouvons être questionnés devant Allah subhanahu wa ta'ala à propos ça. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أجرنا من النار اللهم يسر لنا أمورنا اللهم أرنا الأشياء كما هي اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر الشرك والمشركين أعداءك وأعداء الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك وفي كل مكان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وما تقدم من ذنبه
وما تأخر وأدخلهم في الجنة بلا عذاب ولا حساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.